Hello tout le monde, nouvelle vidéo Uber, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je suis content, il n'y a pas tant de vent que ça par rapport au dernier jour. C'est plus français. Ah parce que vraiment, les derniers jours là, ça soufflait mais de malade. Je me faisais pousser de partout. Donc là bon, ça souffle encore. Ça souffle encore un peu mais... Mais nettement moins qu'il y a quelques jours. Alors, du coup c'est marrant là, les jours ça s'allonge. Du coup vous voyez que là il fait encore beau quoi. Enfin il fait beau, il fait jour quoi encore. Ah oui donc petite nouveauté dans cette vidéo. On m'a fait la remarque que je grillais des feux dans mes vidéos, ce qui est en fait vrai en fait finalement. Je vais pas vous le cacher hein. Et donc je me suis dit, on va faire un test dans cette vidéo là et dans les suivantes hein, normalement. Je vais essayer de respecter tous les feux qui sont sur ma route, absolument tous. Et voilà. Et normalement, étant donné qu'à Paris les feux sont synchronisés entre eux hein, avec ce qu'on appelle les ondes vertes, et ben normalement je ne me perdrai pas de temps. Normalement, ce soir il va peut-être pleuvoir, malheureusement. Quand je vois les nuages, il va peut-être même bien pleuvoir. J'ai peut-être pris... Oula, qu'est-ce qu'il fait le... Parce qu'à tous les coups, je vais me prendre une... Oula. À tous les coups, je vais me prendre une... Il m'a surpris le véhicule de police, là. À tous les coups, je vais me prendre une averse de malade. Putain, je vais me prendre la sauce, je le sens, venir de 10 000 km. Les ghostos ne sont pas encore ouverts. J'ai été trop vite ou quoi? Il est quelle heure là? Ah il est 30, c'est bon. Je suis en train d'hésiter, est-ce que je vais m'asseoir là-bas ou pas? Parce que là on est quand même lundi donc les commandes vont pas tomber direct. Je pense que je vais aller m'asseoir. Hein. Je vais aller m'asseoir. Je pense que c'est la bonne solution. Hop, check. On va se prendre le petit sac. Ouais parce que là hop, alors on va se mettre ici. Et ben enfin 3,14€. C'est pas ouf mais bon. Au moins on a quelque chose quoi. Paul P. Attendre que la voiture passe. Oui parce que moi vous savez je vais gaffer les marques qui même. Salut. Ça va? Ah ouais ça pardon. Yes. Check. Je vais arriver. Merci. Bonne soirée, bon courage et tout à l'heure. J'espère qu'il va pas pleuvoir mais bon, je le sens ouais, j'ai peur de me prendre une grosse averse là mais. Ouais. Quand je vois les nuages, bon. Il y aura du vent quoi, sois prudent. Oh le vent ça va encore, c'est. Ah, c'est chiant mais ça va. On va tout de suite alors. Ouais tout. Bah c'est à côté hein. Ah t'as regardé l'adresse. Alors, ah oui c'est ok. Ah je l'ai déjà livré. Ouais je m'en rappelle, j'ai déjà livré, en fait il est juste en bas de la rue. Pour la distance que je fais, c'est vachement bien payé quoi. Ah, 59. Ah, c'était... Je pense même que je vais vous le faire sans montage. Comme ça, vous allez voir comment c'est à côté. Je vais le mettre sans coupure. Bonsoir, vous allez bien? Ah, ça va très bien. Et voici. Bon appétit et très bonne soirée à vous. Il m'a reconnu. Ciao. Et il m'a mis un petit like, nickel. Salut. Salut. Ça va? Ça va. C'est calme hein? Ouais. Ah c'est trop calme là. Ah c'est le début de la soirée donc on attend un peu quoi. Ah ouais mais il faut que ça sonne là par contre hein, parce que 3,15€ ça ne va pas me suffire. Je vais rester sur ma faim là. Hein. 3,14€. Comment c'est trop calme.
On commence à se faire chier, hein. C'est calme en commande et c'est calme partout en fait, hein. Et Van April, ils sont fermés, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc c'est plus calme dans le sens. Ah ouais. Ah ouais, tu le sens toi aussi. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ouf. Hein. Tu connais tout par cœur ici toi, Van. Je commence, ouais. Ouais, bah ouais. Ouais, ouais, ça va. Ça va, ça va. Hop. Ouais, c'est bon. Ouais, je suis quasiment sûr que je vais. Tac. Ta théorie tient la route. Ouais, ouais. Allez, à tout à l'heure. 5 rue de la Collégiale. Où est-ce que c'est ça? Ah, c'est en bas, ok. Eh ben, c'est parti. Ah, il me faisait prendre la rue Mouffetard. J'aurais pu la prendre à cette heure-là, il n'y a pas trop de monde. Ah, surtout un lundi, en fait. Hein. Bon, ça va. 1 km 3, 4 euros. Ça va, ça va. Bon, bah pour l'instant, la pluie tient, hein, il pleut pas encore. Je pense pas que ça va durer, mais bon. Faut combien? 5. Ok, 5, donc c'est là. Hop, lumière avant tout. C'est parti, 6e étage. Ah, bonsoir. Hop. Vous êtes Guillaume, hein, c'est ça? Oui, j'ai une réception pour voir sur la liste. Ah, c'est super gentil, merci beaucoup. Et voici. Merci beaucoup. Bon appétit. Bonne soirée, merci beaucoup. Et très bonne soirée. Bon, du coup, elle a été payée 4 euros, mais je pense qu'elle sera payée un peu plus, du coup. Parce que les pourboires, on les a pas tout de suite, donc on peut pas la remercier direct, en fait. On les a une heure après sur l'appli. Moi, j'aimerais bien, par exemple, recevoir le pourboire. Et le voir sur l'application. Et comme ça, bah, je peux remercier le client en face, quoi. Est-ce que c'est mieux de passer là-bas? Je pense que ouais. Yes. C'est mieux. Ah, tiens. Non, c'est mort. Et des restos que je refuse de prendre. Ça s'arrête ou pas? Allez, allez. Merci. Attends, non, on se demande ce qu'il fait. Salut. Ça ouais, ça va. Ça, c'est quoi? Ça. C'est une caméra? Oui. Hein? C'est une caméra? Tu m'as dit c'est que... une caméra. Ah, caméra. Oui. Tu es un policier? Non, non. Ah, pourquoi tu mets le caméra? Je comprends pas. Parce que... si tu as discuté avec quelqu'un, tu fais ça? Non, non, c'est parce que je fais des vidéos sur YouTube. Ah. Ah, c'est vu ça, je pense que c'est un policier. Hein. Normalement, c'est comme ça. Hein. Non, non. J'ai vu ça à un policier, comme ça. Les policiers, ils ont pas de caméra, les policiers? Ils en ont pas, que les policiers? Ils ont pas de caméra, les policiers? Ah ouais, c'est bien, le caméra. Ouais, oui. J'aimerais bien qu'elle gratine plus vite. Tu veux pas gratiner plus vite la lasagne? Ah non, c'est pas la lasagne. Bon, sinon je viens d'avoir Vincent. Ça va? Salut. Ah, ça va et toi? Je t'ai pas reconnu. Ouais. Dis-moi. Ouais, ça va. Quand tu finis ta livraison, ouais. Est-ce que tu me donnes 10 euros, tu peux me livrer un colis à Gare de l'Est? À Gare de l'Est? Ouais. Un colis, c'est quelle taille à peu près? Non, c'est juste c'est du saumon en fait. Ah, si tu veux, oui. Un sachet, ouais. Ouais, bah, si, oui. Ouais, si ça te dérange pas. Non, c'est mieux payé qu'Uber, on va dire. Ouais. Bah, je pense que. Excuse-moi. J'avais pas connu avec le masque. Parce qu'il y a un autre gars qui vient souvent au Interverse. Ouais. Tu reconnais pas des collègues quand même, incroyable. Ah, non, toi, t'as hésité aussi, hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais, ce soir, vous êtes pas ouvert, hein? Non, je suis pas ouvert. Bien, merci. Non, non, c'est l'anniversaire de ma fille. Ah, super. On a 10 ans. Du coup, je rentre, comment on fait? Du coup, on fait comment après? Tu veux que je te donne le colis tout de suite ou... Bah non, mais je te rejoins quelque part ou... Moi, j'ai déjà le colis, en fait. Il y a des trucs... c'est ça, je te donne tout de suite, mais tu finis, tu vas... Comme tu veux, Tu c'est un côté, donc je vais peut-être revenir. D'accord, ok. Bah, tu t'attends au resto? Ah, devant, ok, ouais, ça marche, pas de soucis. Dans le resto, t'arrives, tu toques. Ok, ça marche. Ouais. Bah, à tout de suite alors. Merci. Attention, c'est livraison privée là. Ah, j'ai jamais fait ça. Ouais, c'est à 900 mètres, je fais la livraison et puis je reviens devant le resto. Et donc après, c'est mission Gare de l'Est. J'aime pas trop aller là-bas en vrai, mais vas-y. En soi, ça va, c'est pas très loin. Hein. Ok. C'est 12. Ah, yes. Bonsoir. Vous êtes Vincent, c'est ça? Bien, ça oui. Hop là. Merci d'être descendu. Et vas-y. Merci bien. Bon appétit. Très bonne soirée, et très bonne soirée, au revoir. Et petit like, livraison terminée. Et c'est parti pour la mission Gare de l'Est, mission livraison privée. Et par contre, il y a un truc, je viens d'y repenser là, le gars de tout à l'heure là. Oh mais vous êtes un policier ou quoi? Ça m'a trop fait rire. Au début je pensais qu'il m'embrouillait genre, il m'a dit c'est quoi ça? D'un air un peu genre inquiet machin. Il me dit vous êtes un policier ou quoi? Et non. Alors ça je lui dis, les policiers ils ont pas de caméra. Ouais. Merci. Et oui, il faut regarder les feux madame. Moi je me suis mis à respecter 100% des feux, mais pas les piétons. Hein. Du coup ça va être drôle. Les gens ils vont me regarder. Parce qu'il y a des collègues là-bas qui vont se dire mais en fait... ils sont fermés, Van April. Ouais, hop. Ah, je peux rentrer? Ouais, tu peux rentrer. Ok, nickel. Ouais. Ça, c'est le... C'est un resto aussi. C'est un alors, resto. C'est juste à Gare de l'Est. C'est à côté de Gare de l'Est. Ah oui, ok, je vois aussi. Tu vois aussi? Ouais. Merci, hein, c'est gentil. Non, pas de soucis, c'est... Ouais, c'est pas de soucis. Tu me sauves la vie. Ouais. Si, je peux aider, hein. Ouais. Non, parce que je préfère chercher que tu as quelqu'un que je connais. Tu ouais, vois, ouais. Moi, je sais que tu vas pas faire n'importe quoi avec. Ouais. Alors, on va mettre l'adresse. 186 rue du Faubourg Saint-Martin. Je sais pas s'il y a mis le nom du resto ou pas. Parce que faudrait pas que je me trompe de resto quand même, ça serait con. Alors par contre, je reviendrai dans le 5ème après pour me connecter parce que faire des livraisons à rue Saint-Denis. Enfin, rue Saint-Denis, pas, c'est pas rue Saint-Denis, enfin, c'est dans le Gare de l'Est. Franchement, moyen chaud quoi. Oh voilà, du coup, ça vous change un peu de paysage. Hein. Là, on passe par le centre de Paris. Bon, bah nickel, il commence à pleuvoir. Fallait s'en douter. Hein. Allez, encore 1 km et on y est. Bon, nous voici à Gare de l'Est. Mais par contre. C'est pas un restaurant. 186. Ou alors c'est le restaurant à côté. Parce que le 186 il est là. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de restaurant. Hein. Attendez, je vais revérifier. Attendez, je vais mettre là-bas parce que comme il pleut. Alors, que je relise ça. Enfin, avec les gants, c'est compliqué. Ok. Yamada. Ah, ok. Mais c'est pas au 186. En fait, il est là, le resto. Yamada. Ah, du coup, c'est drôle parce que... Je sais pas s'ils font Uber, en fait. Vous aussi, hein, merci. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Ok, bon. Merci. Hein. Ouais, pas de okay. Soucis, c'est long. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est ton passe qui est dedans. Je vous remercie. Bah, dis donc. Ah, nouvelle carrière, je deviens coursier privé.
Alors du coup, je vais pas me reconnecter maintenant chez Uber. Parce que là, où je suis, il va me proposer direct une course. Et j'ai pas envie de faire des livraisons dans ce quartier. Let's go. Tout de cinquième. Alors ce feu-là, pour l'anecdote, une fois je me suis fait avoir. Parce qu'en fait, faut suivre au feu piéton. Et comme c'est pas du tout instinctif et qu'on le voit pas beaucoup le feu en plus, et ben moi je suis arrivé dans le carrefour et j'ai foncé tout droit. Et voilà, les voitures ont démarré au même moment, je me suis bien chié dessus. Hein. Et bon, il est mal foutu ce feu aussi. Bon, je pense que là on peut se reconnecter. Hein. Oh non! Alors là c'est pas. Non, c'est pas. Pourquoi? Bon bah ouais hein. Putain, ça casse les couilles ça. Ouais, et en fait il me demande de prendre en photo. Bah let's go hein. On va exécuter l'ordre. Prenons-nous en photo. Continuez. Tac, on va faire un joli sourire. Un joli sourire. Ça c'est Frédéric qui fait ça. Je l'ai fait aussi du coup. Hop. Vous êtes en ligne. Uber, il demande toujours les photos au pire moment. Ah ça y est, j'ai reçu mon pourboire de la dame là. 2,07€. Hop, dire merci. Attention, coupage de route, on approche. Et ouais, nickel. Putain, c'est pas possible ça. Hein. Je savais. Alors je sais que le rétro gauche, c'est le plus regardé, mais faut quand même regarder le droit. Hein. Ah, elle va trop loin. 6 km. Ah, elle va dans le 15e. Oula. Ouais, c'est un peu compliqué là. Ça passe tout juste. Ah, y a personne dans les rues. Hein. Enfin, dans le quartier où je vis. Bonsoir, monsieur. Ouais. Bon, ouais, c'est très très calme. Hein. Donc là, on est à 23€. Donc ça fait, ouais, là, on a 13€ sur Uber et 10€ en liquide. Du coup, ça fait 23. Ça, je me rappelle de la période où on sonnait non-stop. Là. C'est parti. La maison du Dim Sum. Il n'y a aucun livreur. Hein. Ils sont tous rentrés. Bonsoir. C'est Stéphanie. C'est ça? Ah non, c'est pas ça. Ah oui, faut pas que je valide une mauvaise commande quand même, ça serait con. Salut. Salut, ça va? Ça va, ouais. Yes. Bon courage. Hop, je te remercie. Bon courage. Merci, bonne soirée. Ah, le titre de la vidéo, ça sera « Je deviens coursier privé ». Je vais mettre ça, ça va faire du clic. MDR. Ouais, 24. Ah, par contre là on va y aller hein, par contre. La poste est ouverte. Ah ok. J'ai juste mal noté le code. Parce qu'en fait la dernière fois que je suis venu là, la personne était venue devant la grille en fait. Le marché ça fait. Ah non, 16, ok, on est pas loin. 16. 18, ok, c'est à côté. C'est énorme. Ok, là c'est quoi? C'est le 20. Donc après c'est 22, 24, ok. Check. Ah mais non, mais ça c'est pas le... Attends. Bah il est con. Ah ok. Ok, et après c'est où? T'as même là, il y a un code. Plus sécurisé que ça, t'as pas. Hein. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.
petite musique d'ascenseur et tout, je vous fais profiter. J'espère que je vais faire copyright pour ça, mais bon, on verra bien. Il y a une musique classique, ça devrait le faire. Bonsoir. Bonsoir, merci. Ah, c'est pour toi ? Ouais. D'accord. Merci. Et voici. Bon appétit, bonsoir. Très bonne soirée. Au revoir. Voilà. Bonsoir. La porte est ouverte. Refermez la porte derrière vous. Nickel, et il ne pleut plus, parfait. Ah, nickel le stationnement. On apprécie. Ah. J'ai encore un petit vent de face sympa. C'est mort de chez mort. Ça sonne pas, c'est horrible. Parce qu'en soi, là, j'ai fait mes 30 euros, hein, parce que je suis à 22 euros sur Uber, mais... J'ai fait la petite course privée là, mais ça me fait chier, j'aimerais quand même être à 30 euros sur Uber quoi. Je me fais chier les gens, je me fais chier. Ça fait, 20-30 minutes que j'ai pas sonné. Putain, c'est ouf comment c'est calme hein, quand même. C'est rare que ça soit calme comme ça. Hein. Bon, je vais aller attendre devant Marie Gusto parce que j'ai froid ici. On est mieux ici quand même. Hein. On est mieux là. Hop. Allez, on a une Oi Sushi. Comme quoi il faut râler hein, de temps en temps. Et on sonne. Quand on râle, ça fonctionne. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Bonsoir, c'est Mike. Hop. Merci. Bonne soirée, bon courage. Hop, toujours les sacs de qualité hein. Toujours renverser un truc avec ça. Ok, ça va, je connais l'adresse. Je connais l'adresse, par contre il est hors de question que je passe par la rue qui m'indique. Bon ça va 900 mètres. Oh là là, j'ai l'impression d'être le couvre-feu là. Ok, le 23 est là. Hop. Étape 2, interphone. Ah, pardon, ouais, monsieur. Ouais, pas de soucis. Bonsoir. Je crois que c'était ma fille. Bonne soirée à bon vous. Bon appétit, bonne soirée. Merci. Au revoir. Franchement, 4 euros pour même pas, c'est 4,27€ pour faire la distance que j'ai fait. C'est ultra bien payé. Bon, bah on est à 26 euros sur Uber du coup. On va tenter de faire les 30 euros. Ça y a personne de chez personne. Hein. On dirait que c'est le couvre-feu quoi. Si ça pouvait être comme ça tous les soirs. Ah, mais je sais pourquoi ça sonne pas en fait. Je sais pas, il y a une lumière dans ma tête là qui m'a dit waouh, ça y est, t'as compris quoi. Parce qu'en fait, hier, il y avait un match. Donc généralement, pendant les matchs, ça sonne bien, hein, de ouf quoi. Sauf que, généralement, les gens, après le match, ne commandent pas trop en fait, en vrai. Ils vont préférer commander autre chose que des pizzas. Donc c'est pour ça. J'ai reçu un deuxième pourboire de 3,90€. Ça, c'est ça refait aussi. 21h50, ça va être chaud de faire les 30. Hein. Parce que là, Marie Gusto, ils vont
pas, enfin, ils vont plus trop sonner quoi. Ça. Bon, on va essayer de s'en faire une petite dernière, puis on va se rentrer. Hein. Bonsoir, j'apporte 16 pizzas. Les réactions en fait, on vient de les terminer à l'instant. C'est super. Alors, et voici pour vous. Ah pardon. C'est moi. J'allais prendre mon... Avec le diable carrément. Ouais, on est à 500 mètres. Alors j'ai mis les noms. On est à l'église. Ça va le. Avec le diable. Oh, on est à côté. D'accord. Là, en voiture, c'est impossible de se garer. Ah oui, non, c'est galère, ouais. Vous avez raison. Là, c'est marrant. 16 pizzas, what the fuck. Ah, que c'est. Ah oui, bien sûr. Je vous les pose, hein. Bah ouais, c'est vrai. Faites pas tomber, hein. Comment? Faites pas tomber, hein. Non, il faudra que je les penche trop, justement. 14, ça va être un truc de. Ouais, c'est pas trop chaud, finalement. Voilà. Non, j'ai un peu la pression quand même. Ah là c'est vrai. Merci, bonne soirée. Merci, belle soirée, merci, au revoir. Ah ouais, c'est un délire son truc. Bon, j'espère que je l'aurai la commande qu'ils ont sonné là. Ouais, je me prépare déjà, hein, tu vois. Paul Mathieu, c'est bon ? Non, mais je l'ai pas encore. Mais je pense que d'ici, allez, 30 secondes, je l'ai. J'ai trop le seum. Je crois que je l'ai pas eu en fait. Hey, elle l'a mis prête pourtant. Comme quoi, hein. Comme quoi, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est pas systématique. Hein. Tu vois s'il y a un livreur dessus ou pas? Ouais, Léonie. Non. Ah bah je suis déçu. Hein. Oui, oui, je sais plus. Ah là là. Il m'a volé ma commande. Hein. C'est Mendy. Attends, j'accepte, on va voir. Ouais, mais Mehdi, ouais. Merci. Ouais, bah je vais rentrer là. Hein, de toute façon. Enfin, je vais rentrer. Je vais livrer et je vais rentrer. 2 km, ok. J'ai pas... Oui, j'ai passé par la rue. Ah non. Là, je prends pas la rue Mouffetard, hein, c'est marrant. Bon, même si en soi, là, ça ne craint pas trop. Je suis quand même pas fan de la rue Mouffetard, hein, donc on va contourner. Ok, calcul du nouvel itinéraire. Voilà, c'est bon. Ah bah tiens, c'est même plus rapide. Putain, c'est ouf, le vent. Le vent fait que j'entends rien en fait. Ça me fait dans les oreilles. 213. Ah, vous êtes. C'est ça, ouais, yes. Excuse-moi, t'es fumeur ou pas? Ah, pas du tout. Du tout, hein? Non, parce que je t'ai racheté un briquet, sinon c'était réussi. Ah, ouais, non. tu veux me montrer ton téléphone? Ça dérange pas? Désolé, hein. Non, normal. C'est dur, tu connais. Yes, merci. Yes. Bon appétit, très bonne soirée à toi. Salut. Ça m'a un petit peu gêné là pour le coup de demander son téléphone, mais c'est le genre de truc que j'aime pas trop faire, mais bon. On sait jamais quoi. Là j'avais un petit doute quand même quoi. À part si on sonne, hein, je vais rester connecté quand même, on sait jamais. Là il y a le McDo, il y a au tacos aussi. Alors là c'est un peu chiant. Passer au milieu de la place. Hein. Et moi je respecte, mais les piétons par contre ils s'en battent les couilles. Hein. Oh la vache! Oh le vent il est vraiment violent. Ah, je me suis fait pousser sur la gauche là, c'était. Ça surprend. Bon, on va même se déconnecter. Check. Bon, je pense qu'on va se quitter là. Hein. Bon, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Salut.